Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une autre de mes passions. Allez, c'est parti. Ça fait maintenant quelques mois que je me passionne pour les sneakers. Vous avez pu le voir un petit peu si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter. J'ai quelques belles paires avec moi, mais c'est un petit peu compliqué de vous en parler sur YouTube. Tout simplement parce que mélanger tech et un petit peu lifestyle, ça peut poser problème, en tout cas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, pas du tout. Mais du coup, j'attendais le bon moment pour vous présenter une paire qui mélange les deux univers. Cette paire-là, elle est sous vos yeux, c'est celle-ci. Et ça fait un moment que je les attendais, c'est les Nike Warash Adapt. C'est cette paire-là qui est assez unique étant donné que c'est des paires autolassantes. Elle arrive dans un packaging qui est pas piqué des hannetons comme on dit sur le YouTube, hein. Et j'adore cette énorme boîte avec à l'intérieur du coup ces chaussures là qui sont connectées à notre smartphone. Donc on a un petit peu de tech et on a un petit peu de lifestyle. Nike, ça fait déjà un moment qu'ils travaillent sur ces chaussures autolassantes. Il y a eu maintenant 3 générations il me semble. Les Adapt 1, les Adapt BB pour basketball, celle que je voulais beaucoup, surtout la version mag. Et maintenant il y a celle-ci, les Warash, qui sont déjà sortis en plusieurs coloris. Celle qui est ici c'est les bleus et on va les découvrir tout de suite parce que c'est ça qu'on veut, hein. Déjà beau packaging, hein. On a un cosmonaute ou pas? On va commencer par ici ou les chaussures? Alors on va avoir une petite boîte Nike avec à l'intérieur sans doute l'adaptateur secteur parce que oui. On va maintenant recharger ses chaussures. Après le sapin de Noël connecté, on va avoir des chaussures connectées qui doivent se recharger. Donc voilà, bah, je pense que c'est tout ici. On aura peut-être le plateau en dessous, mais dévoilons ses chaussures. Ouh, les voilà, les Warash Bibi. C'est le modèle du coup bleu, avec le modèle bleu, noir un petit peu. C'est très stylé. J'adore ça. Ah, 109. J'ai l'impression d'être chez Courir ou Footlocker. On va la poser là, on va choper la deuxième qui est juste en dessous. Et franchement, c'est un petit peu original comme paire, étant donné que c'est pas une forme qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, elle est un petit peu raccourcie au niveau du talon. De toute façon, on va les essayer un petit peu après. Mais franchement, je trouve ça hyper original. Et puis tout en dessous, on va retrouver un petit truc et on va avoir un pad comme ceci pour pouvoir recharger les chaussures, parce que oui, c'est des chaussures qui se rechargent sans fil par induction. Donc quand tu rentres chez toi, tu poses tes chaussures sur les supports et elles se rechargent. C'est plutôt stylé. En tout cas, l'expérience, l'unboxing est juste incroyable, hein. Je sais pas vous, mais je trouve la boîte super stylée. Faut payer le prix, hein, bien évidemment, pour choper ce genre de paire, mais du coup on a une expérience qui est à la hauteur de ce qu'on paye. Donc ça c'est très cool. Et on va aussi avoir, j'ai remarqué ça, une prise USB-C pour recharger. Donc voilà, on est vraiment sur le Power 2.0 version Nike pour recharger ses chaussures. Donc je suis assez content. Et maintenant parlons de ses chaussures. Les Warash Adapt, c'est celle-ci. Franchement j'adore. Ça fait déjà quelques minutes que je les regarde, que je les observe et je kiffe. On va du coup avoir deux boutons ici pour avoir un plus et un moins pour lasser ou délasser les chaussures tout simplement. Et ça se fait avec ces petites ficelles qui sont juste là. À voir comment ça va tenir dans le temps, mais déjà ça a l'air très stylé. On a branché le pad juste ici, on va enlever toutes les protections. Bah franchement la Warash Adapt est vraiment cool, hein, par rapport à celle qui était le modèle Nike qui était sorti à l'époque. Celle-là est vraiment cool, hein. Grosse semelle bleue avec le gros swoosh ici. On va avoir du coup les lacets ici, un petit texte à ce niveau-là quand on va resserrer la paire, les boutons juste ici. Franchement, on va essayer ça, hein. Oh, ça s'allume. Oh, c'est trop stylé. Oh là là, mais vous, ça c'est le genre de truc qui est hyper con. Mais du coup, je vais me pointer en soirée avec ce genre de chaussures et les gens ils vont en mode, attends, t'as tout connecté, t'as même tes chaussures connectées. Ouais. Ouais, la seule question que je me pose, c'est si jamais il n'y a plus de batterie dans les chaussures, tu fais comment? Il y a quand même un système, je pense. Alors, bien évidemment, vu que c'est des chaussures connectées, elles se connectent en Bluetooth à son smartphone et j'ai téléchargé l'application pour pouvoir les configurer tout simplement. Chaussures détectées, ça y est, on est parti. Appuyez sur l'une des lumières de votre chaussure pour confirmer. Yes! Oh là là! C'est stylé. Ok, maintenez le téléphone vers votre autre chaussure. Et ça y est, nos deux chaussures sont appairées. Personnalise-le maintenant. Suivant. Enfilez vos chaussures pour trouver la tenue. Ah d'ailleurs, c'est hyper sympa parce qu'il vous dit, est-ce que vous portez des semelles orthopédiques? Donc ça veut dire qu'il va s'adapter vraiment à votre pied, à votre morphologie, dépendamment de si vous avez des semelles ou pas. Hop. Oh la vache! Je les ai mises, elles se sont serrées toutes seules.
Oh, le futur, les amis, j'adore être dans le futur. On est trop bien dedans, c'est fou. À ce niveau-là, sur l'application, on va vraiment pouvoir ajuster précisément. Bon, là, je les ai mis au pied, hein, je vous les montre pas, mais je les ai bien mis au pied. On va pouvoir ajuster comme ça. On va pouvoir enregistrer le mouvement et aussitôt qu'on mettra nos chaussures, eh bien il va le détecter et ça c'est très cool. Une fois qu'on arrive sur l'application, c'est ici qu'on va pouvoir personnaliser notre paire. Et quand je dis personnaliser, on va pouvoir faire d'abord sur le premier bouton nos modes. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que à partir du moment où on va mettre la chaussure à l'intérieur, eh bien il va le détecter et du coup il va les lacer. Et en fait à ce niveau là, on va avoir deux mouvements. Le premier bah c'est mouvement et le deuxième c'est décontracté, dépendamment de comment vous voulez configurer la paire. Si j'appuie dessus, et bah il va les relâcher. Et si j'appuie sur l'autre, il va les resserrer. Autre petite chose, c'est la LED sur le côté juste ici. On va pouvoir la personnaliser pour la changer de couleur. Voilà, là je suis en rouge. Là je suis en Bright Canson Total Orange. Et ça change à ce niveau là en fait. Laser Orange. On va voir du jaune. On va voir du vert comme ceci. Du green spark un peu plus foncé, du white, c'est trop stylé. On va laisser en bleu, je pense que c'est pas mal, c'est le petit côté un peu connecté. Ah, ou en jaune, si je mets jaune. Ah, en jaune ça se voit un peu moins, on va remettre le bleu. Ensuite, comme je vous disais, c'est des paires qui se rechargent, étant donné qu'elles sont connectées, il y a tout un système à l'intérieur pour lacer les chaussures automatiquement, et du coup, via sa base, on va pouvoir les recharger. Mais via l'application, on va aussi pouvoir connaître le niveau de la batterie de chaque paire, 42-44%, c'est le pourcentage à laquelle elles sont actuellement. Et si je déplace le plateau pour vous le mettre juste ici et que je pose la paire et que j'allume la batterie externe, et voilà, ça y est, il le détecte automatiquement. Et du coup de mon côté on va avoir une sorte de veilleuse au niveau des LED pour me dire que c'est bien en train de charger. Et sur l'application, comme vous pouvez le voir, eh bien on voit que la paire de droite est en train de recharger. Et si par exemple j'enlève la paire qui est ici, je la pose, elle se dessert et elle recharge. Et puis ce qui est hyper cool, c'est que directement depuis ma montre, je vais aussi pouvoir lacer via l'application mes chaussures. Là il me dit qu'elles sont en train de recharger, mais du coup je vais pouvoir les ajuster en levant le L et le R une fois que ce sera disponible pour pouvoir les lacer. Voilà, même plus besoin de mon téléphone. Alors oui, ça peut paraître comme un gadget, c'est un petit peu le petit caprice d'un enfant tech qui adore ça, mais c'est vraiment le futur. Je trouve que savoir ce genre de chaussures à sa portée, pour l'instant c'est un petit peu cher, c'est un petit peu une technologie exclusive à certaines paires, surtout que pour les avoir c'est un petit peu chiant, mais ça va bientôt se démocratiser et surtout tous les constructeurs vont commencer à s'y mettre. Avoir une paire qui se lasse, c'est juste trop bien, notamment par exemple pour les handicapés. Les handicapés mettent le pied à l'intérieur, ça se lasse tout seul, ils ont pas besoin de se baisser pour mettre la chaussure et c'est juste trop bien. Pour ma part, je suis pas dans ce genre de situation, mais c'est vraiment pour vous montrer que ce genre de technologie existe, même si ça fait quelques années. Là c'est une paire qui vient tout juste d'arriver et surtout c'est la première fois que je peux mettre le pied dedans et je suis juste trop content de vous partager ça sur YouTube. Voilà du coup pour les Nike Adapt Warash, j'étais super content de vous les présenter en vidéo. C'est vraiment un petit peu le mélange des deux passions que j'ai, la tech, la technologie et aussi les belles sneakers, parce que j'adore ça et j'adore vous en parler, que ce soit sur Instagram, sur Twitter et j'espère de plus en plus sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je vous en montre plus? Est-ce que vous êtes pas hyper intéressé? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ça m'a fait vraiment super plaisir de vous partager ça. Si bien sûr ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner pour en savoir plus et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les vidéos, sachant que c'est une vidéo par jour du lundi au vendredi jusqu'au 24 décembre. Si bien évidemment vous voulez vous les procurer, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou.